Bonjour à tous. Donc, premièrement, je voudrais dire que je suis vraiment agréablement surpris de voir qu'il y ait autant de monde qui soit venu au salon et aussi à ma conférence, vu la période un peu particulière qu'on vit. Donc, merci à vous déjà d'avoir fait le déplacement. Alors, je me dis, vu l'intitulé que j'ai mis pour la présentation, que si vous êtes là, vous êtes des personnes qui êtes déjà un peu sensibles au sujet du machine learning, mais vous vous dites peut-être qu'il y a... Il y a quand même un petit quelque chose qui manque dans le machine learning. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience dans l'industrie des procédés ou autre. Et il y a quand même, ce n'est pas un fonctionnement aussi idéalisé qu'on voudrait le croire ou qu'on voudrait le faire croire. On peut penser qu'il manque peut-être un petit quelque chose d'humain pour faire mieux fonctionner le machine learning. Déjà, il y a une première chose un peu pour mieux vous connaître. J'aimerais vous voir un petit peu à main levée. Est-ce qu'il y a... Quelles personnes viennent de l'industrie des procédés dans cette salle, à main levée? Pas tant que ça. Donc plutôt de l'industrie du district manufacturing, comme on dirait en bon français. C'est pas grave, il peut quand même avoir des transferts intéressants, je pense. Et est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà une expérience du machine learning ou est-ce que leur entreprise a déjà utilisé du machine learning? Ah, d'accord. Donc on a un peu plus d'adeptes. Bon. Très bien. Donc moi, personnellement, je viens d'une entreprise qui a plus de un siècle, 110 ans même, quelque chose comme ça, d'expérience dans l'industrie des procédés. Et c'est après qu'on est arrivé par acquisition de talents dans le domaine du machine learning. Ça nous donne sûrement une approche un peu hybride de la vision du machine learning, puisque nos racines sont plutôt celles de l'industrie avant d'être celles de la technologie de l'information. Personnellement, moi-même, j'ai travaillé 10 ans dans les process spéciaux dans l'industrie avant les 5 dernières années, là, plutôt de travailler dans le digital. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer avec ma présentation, c'est que, comme vous le savez déjà peut-être, le machine learning n'est pas en soi une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. Mais, ce qui est sûr, c'est que le machine learning a une réelle place dans l'industrie des procédés et peut réellement remplir les objectifs des décideurs dans cette industrie. On va voir comment. Et pour moi, ça peut faire du machine learning un très bon ambassadeur pour le digital dans l'industrie des procédés qui est parfois un peu conservatrice. On va pas se le cacher. Alors, grosso modo, je vais vous parler de trois choses. Déjà, le machine learning en général et sa présence dans l'industrie des procédés. Ensuite, le machine learning et comment on peut arriver à le coupler à l'intelligence humaine, au savoir-faire humain. Et dernièrement, on va parler du machine learning et de l'humain au sens plus large. Alors, déjà, on peut se demander ce qu'on est en droit d'attendre du machine learning dans l'industrie des procédés. Souvent, quand on en parle, nous, les utilisateurs finaux nous disent maintenance prédictive, nous disent analyse prédictive. En résumé, ils veulent avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur leur site dans le but assez simple, finalement, de produire plus. C'est ça qui intéresse mes collègues et mes confrères. Finalement, c'est produire plus. Mais il existe quand même certaines contraintes spécifiques à l'industrie des procédés. Nous, les constatations qu'on a faites quand on a commencé à travailler sur ce sujet, c'est qu'un problème peut venir de n'importe où sur l'installation. Il n'y a pas des zones a priori qui sont plus susceptibles de venir gêner l'activité de l'entreprise. Il y a déjà des données disponibles, d'accord ? L'IoT arrive, il va nous apporter des quantités de données incroyables sur tout ce qui se passe, mais on n'a pas forcément besoin de l'attendre. Il y a déjà des choses présentes. Dans l'industrie des procédés, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des historians. C'est-à-dire que c'est déjà des sites extrêmement instrumentés. Toutes les valeurs de l'instrumentation sont remontées dans le système de contrôle commande. Et tout est historisé dans des serveurs spécifiques. Donc on a déjà une quantité de données présentes intéressante. Et il y a autre chose qui est très important, c'est que dans ce type d'industrie, peu de problèmes similaires dans le passé existent. D'accord. Quand vous avez un problème, vous avez par exemple une pompe ou des systèmes de refroidissement par ventilation qui cassent, ils cassent rarement, très rarement, pour la même raison qu'ils ont pu casser dans le passé.
ou très rarement dans les mêmes conditions dans lesquelles ils ont pu casser par le passé. Alors, je vais me permettre d'insister sur ce point. Oui, donc, je répète tout ça dans le but de produire mieux et de produire plus, évidemment. Mais je vais vraiment insister en faisant un petit pas de côté dans le domaine de la littérature et en me permettant de citer Tolstoï, parce que ça fait bien quand même de citer Tolstoï, non ? Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Bon, comment nous, dans le machine learning, on comprend cette phrase ? Peut-être à tort, je ne sais pas. Mais c'est que un appareil ou un process a 1000 façons de ne pas fonctionner, mais il a une seule façon de bien fonctionner, c'est qu'il ait échappé aux 1000 façons de mal fonctionner. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une infinité de possibilités pour lesquelles ça se passe mal, et c'est pour ça que quand il y a une défaillance, c'est jamais pour les mêmes raisons. Et vous allez voir pourquoi c'est important. En fait, quand on veut faire du machine learning dans l'industrie, il faut déjà faire un choix, une sorte de choix, entre deux grosses familles technologiques. Je suis désolé pour les spécialistes de l'IA, je vais faire vraiment du survol, mais pour moi, c'est comme une approche importante, vous allez voir. On peut commencer par ce qu'on appelle le machine learning supervisé. Supervised machine learning, pour les plus anglophones d'entre nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on considère souvent nécessaire pour faire de la prédiction. D'accord ? Avec des gros guillemets prédiction, hein, si vous me le permettez. C'est une technologie un peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'elle nécessite, comme son nom l'indique, superviser. Pendant la phase d'apprentissage, elle nécessite un accompagnement plus important. Elle nécessite une préparation des données. Elle nécessite d'avoir des sets de données plus propres, des choses comme ça. Le problème qu'elle pose pour l'industrie des procédés, c'est que si vous voulez faire des prédictions, avec des guillemets, entre guillemets, encore une fois, pardon, c'est que vous avez besoin, grosso modo, la règle qu'on se donne, c'est qu'il faut à peu près 30 cas similaires, 30 jeux de données avec des conditions similaires pour arriver à entraîner correctement les algorithmes et faire que les prédictions soient correctes. C'est une règle au doigt levé. Mais elle est quand même assez bonne parce qu'on sait que dans l'industrie, si vous avez 2 ou 3 cas similaires de défaillance, c'est bien le tout. Et on essaye en laboratoire de faire du supervisé avec des sets de données, 2, 3, 4 sets de données maximum, mais les résultats sont encore loin d'être intéressants. En tout cas, loin d'être suffisant pour l'usage dans l'industrie. Et l'autre problème, c'est qu'il faut que les données soient bien préparées pour le machine learning supervisé. Il faut ce qu'on appelle qu'elles soient labellisées, c'est-à-dire qu'on ait bien des sets de données identifiés avec les conditions qui vont mener au problème et les mesures du problème, entre guillemets. D'accord ? Données d'entrée, données de sortie, il faut que ce soit clairement identifié. Et dans l'industrie, c'est loin d'être le cas. Alors, il y a des contournements qui existent pour ça, puisqu'il y a des solutions qui existent sur le marché. Avec des systèmes de... On utilise des modèles mathématiques pour faire du renforcement sur les données, mais là, vous avez tout de suite un problème qui apparaît, c'est que vous voulez du machine learning parce que vous savez que vos modèles théoriques ne sont pas suffisants pour représenter la réalité. Donc, si vous utilisez des modèles théoriques pour renforcer le système de machine learning, bah, voilà. Vous perdez un peu l'intérêt de l'approche. Et sinon, il y a une autre méthode qui peut être intéressante, c'est de faire des choix a priori sur les paramètres d'entrée que vous allez utiliser. Mais sauf que si vous faites ça, vous perdez aussi l'intérêt du machine learning, parce que le machine learning est capable d'aller rechercher des relations auxquelles l'humain n'aurait pas forcément pensé. Si, a priori, vous le limitez dans ce qu'il a le droit de regarder, ça perd aussi de son intérêt. L'autre approche, c'est de dire qu'on va faire du machine learning non supervisé. Donc le machine learning non supervisé, nous, on voit ça un peu comme un système pour essayer de détecter ce qui est un comportement normal de ce qui est un comportement anormal. Donc on est loin, enfin on n'est pas dans la prédiction. L'avantage, c'est que c'est un système, c'est un processus qui est assez autonome. En tout cas, qu'on peut rendre assez autonome, ce qui fait que le client n'a pas à mettre les mains dans le cambouis. Ce qui est assez intéressant. Mais là aussi, il y a plusieurs problèmes qui se posent avec le non supervisé, en fait. Déjà, qu'est-ce que c'est le non-supervisé ? Pardon, petit point d'étape. On part d'un set de données que vous voyez là-haut, en haut à ma droite, donc à votre gauche. On rentre tout ça dans le système de machine learning non-supervisé et on obtient ce qu'on appelle des clusters de normalité ou des normality clusters. Ces zones que vous voyez là, représentées en 2 dimensions,
représente le comportement normal d'une installation. Donc, par exemple, sur une installation des procédés, il peut y avoir une saisonnalité ou des batchs. Donc, il peut y avoir plusieurs zones de comportement normal. Ici, vous le voyez en 2D, parce que moi, j'arrive à dessiner qu'en 2D sur un PowerPoint. Mais en fait, il faut imaginer qu'il y a autant de dimensions qu'il y a de capteurs sur l'installation. Et sur un site de procédés, il peut y avoir 4000, 5000 capteurs. Donc, on est plutôt dans des dimensions de plusieurs milliers de dimensions que deux ou trois dimensions. Et en fait, on se rend rapidement compte, si on regarde un petit tableau comme ça, là je vous ai fait une installation où vous avez deux capteurs et chacun de ces capteurs peut avoir que deux valeurs, 0 ou 1. Grosso modo, vous avez 2 puissance 2 possibilités, 2 puissance 2 états possibles de l'installation. Sauf que sur une installation, je vous ai dit, il y a des milliers de capteurs. Et on sait que ça évolue en 2 puissance n. Donc en fait, sur une installation avec 2000 capteurs, il y a 2 puissance 2000 états possibles de l'installation. D'accord ? Des milliards de milliards de milliards de milliards d'états possibles. D'accord ? Forcément, statistiquement parlant, quand il y a autant d'états possibles, même si vous avez des faux positifs, vous avez 0,1% de faux positifs, ça représente des milliers de cas. D'accord ? Donc vous avez forcément des milliers d'états où le système a l'air anormal, alors qu'il est normal, et juste pour des raisons statistiques. Et ça, ça ne nous intéresse pas. Donner des alertes aux clients en disant « Tiens, il y a une anomalie statistique qui fait que vous avez un problème », ils s'en foutent. Les anomalies statistiques, ça n'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle du bruit statistique. Et c'est un gros problème du machine learning non supervisé. Il y a un autre problème, mais ça c'est plus technique, mais je me permets quand même de le signaler. Le machine learning, c'est beaucoup apparu avec le big data. D'accord ? Parce qu'il y a une des hypothèses qui est importante pour le machine learning, c'est de partir de l'idée que les données d'entrée qu'on va utiliser pour l'apprentissage sont des données randomisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de biais. Elles n'ont pas de biais à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de biais dans les sets de données, mais par exemple... on pourrait parler chocolat, d'accord ? Si toutes les données concernent du chocolat noir, il y a un biais, d'accord ? Parce que ça ne représente pas les diversités, chocolat au lait, chocolat blanc, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, dans l'industrie des procédés, on est loin d'avoir une quantité infinie de données. Même si ça représente, si on a 2000 capteurs et qu'on sample toutes les minutes, etc., ça fait beaucoup de données, mais on est loin du big data quand même. Donc il y a aussi un biais qui fait que le machine learning dans l'industrie des procédés marche pas très bien seul. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner, on va y venir. Les contournements que les industriels qui proposent ce genre de solution, ils contournent le problème tout simplement en limitant le champ d'action du machine learning non supervisé. C'est-à-dire que sur une installation où vous allez avoir des centaines et des centaines d'équipements, ils vont dire, bon, il y a trop de bruit statistique, donc ce qu'on va faire, on va se limiter aux équipements les plus critiques. Par exemple, typiquement dans l'industrie des procédés, il y a des machines tournantes qui s'appellent des compresseurs, qui sont extrêmement chères, et on va dire, bon, on va se limiter à faire du machine learning sur le compresseur. Si on commence à étendre sur toute l'installation, il va y avoir du bruit statistique de partout, ça va générer des alertes dans tous les sens, ça va être complètement inexploitable. D'accord ? Ça veut dire aussi que ça nécessite un énorme travail manuel sur les données en amont, de nettoyer les données en amont à la main, de faire des choix, tout un choix de modèles, des choix d'enveloppes. Bon, je vous passe les détails techniques. Un travail qui nécessite des spécialistes de l'analyse de données. Et nous, on ne peut pas aller chez un industriel en lui disant, un, soit vous vous formez à l'analyse de données et vous faites du paramétrage de machine learning, vous allez y passer des heures, vous allez voir, c'est génial. Ou vous embauchez quelqu'un qui a un salaire à 6 chiffres qui va vous faire de l'analyse de données juste pour faire de l'optimisation. Donc il faut, pour nous, il faut que ces étapes soient transparentes pour l'utilisateur final. Donc comment on s'est débrouillé pour faire tout ça ? Parce que je vous ai un peu expliqué les problèmes. Maintenant, il pourrait être intéressant de voir la solution. Et ça, c'est pour illustrer un peu plus concrètement le problème dont je vous parle. Le machine learning non supervisé va voir ces courbes. Ça, c'est des courbes très classiques de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie des procédés. C'est de la mesure de concentration en méthane et en éthane, tout simplement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas des jolies courbes ou des belles valeurs mathématiques très stables. C'est extrêmement bruité, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne.
et un système de machine learning non supervisé, il va y voir que des problèmes dans ces courbes. Alors qu'un humain, lui, il a conscience, il a le contexte en tête, il sait qu'un capteur de concentration de méthane, ça sort des courbes qui ressemblent à ça. Donc il ne s'inquiète pas du bruit qu'on voit sur les courbes. Le machine learning n'a pas ce contexte. Lui, il s'inquiète de voir des courbes qui réagissent de cette manière. Donc là, j'ai mis le doigt un petit peu sur le problème, c'est que le machine learning, lui, observe les données brutes et ne les contextualise pas. D'accord ? Il peut voir ce qu'il a envie de voir dans les données. L'humain, lui, contextualise les données qu'on lui donne. Il a un peu l'excès inverse. L'humain, en fait, aborde la réalité sur la base de modèles approximatifs de la réalité, mais c'est comme ça qu'il comprend le fonctionnement du monde qui l'entoure. Le machine learning, lui, se base uniquement sur les données qui l'entourent. Je vais essayer d'être plus concret et prendre l'exemple, un exemple qu'on utilise assez souvent dans ce domaine, c'est le lancer de pièces, vous savez, au hasard, quand on fait un pile ou face. On a un lancer de pièces, on lance 6 fois une pièce et on obtient 6 fois face d'affilée. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand je vais faire un 7e lancer, est-ce que je vais obtenir face ou est-ce que je vais obtenir pile ? Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est la probabilité que j'obtienne à nouveau face. C'est ça qui nous intéresse. Et à votre avis, tiens, on va faire un petit sondage. Après ces 6 lancers où on obtient face, à votre avis, est-ce qu'on a 100, qui pense qu'on a 100% de chance d'obtenir un 7e face dans la salle ? Qui pense que fort logiquement, comme à chaque lancer, on a 1 chance sur 2 d'obtenir face au dernier lancer ? D'accord ? Et qui pense que c'est une autre valeur, c'est ni 100% ni 1 chance sur 2 ? Ah, on a des connaisseurs. Effectivement, c'est ni l'un ni l'autre. Le machine learning system, le système de machine learning, qui va se fier uniquement aux données, va reconnaître une tendance face, 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 face. Pour lui, 100% de chance qu'il y ait un face au 7e lancer. D'accord ? C'est faux. On connaît le modèle. On sait que quand on lance une pièce, il y a 1 chance sur 2 qui est une face ou pile. L'humain, lui, va se dire, tiens, c'est bizarre. C'est très peu probable qu'on ait obtenu 6 fois face d'affilée. Donc, il doit y avoir un truc ou quelque chose de bizarre. Donc, on va forcément obtenir un 7e fois face. D'accord ? La réalité, elle est quelque part entre les deux. Effectivement, le modèle nous dit 1 chance sur 2. Mais le fait d'avoir 6 fois face, le fait que ce soit très peu probable, nous dit, tiens, peut-être qu'il y a un paramètre que le modèle théorique ne prend pas en compte. Il y a un petit paramètre perturbateur, peut-être que la pièce n'est pas réellement homogène, peut-être que le vent agit d'une certaine manière, etc. Donc, en fait, les deux ont raison. Le machine learning a raison de se fier aux données en disant il y a quelque chose d'anormal, mais il s'y fie trop. Il fait ce qu'on appelle de l'overfitting, du surapprentissage. Et à l'inverse, l'humain se fie trop au modèle théorique. D'accord ? Il ne prend pas en compte la bizarrerie du fait d'avoir 6 fois face d'affilée. Il fait ce qu'on appelle du sous-apprentissage, de l'underfitting. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dilemme bivariance, c'est vraiment, si on arrive à résoudre ça dans le domaine de l'intelligence artificielle ou du machine learning, c'est le prix Nobel, je pense. Je m'engage un peu, mais quand même. Bon, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Hein, si vous êtes intéressé par ce genre de questionnement un peu semi-philosophique, on va dire, je vous incite fortement à rechercher ce qu'est le bayésianisme qui pourra vous apporter la réponse à quelle est la probabilité pour qu'on ait face au 7e lancer. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait arriver à faire que notre système de machine learning soit capable de faire résoudre au moins en partie ce problème du quid du modèle théorique ou des données. Et en fait, on s'est dit qu'on allait lui faire faire comme à un humain. On allait lui demander de contextualiser son approche de l'installation. Et le contexte dans l'industrie des procédés, il existe, il est déjà présent. Il est présent dans ce qu'on appelle les schémas process, qui sont en quelque sorte une représentation de la chaîne des causalités dans le process. J'ai un certain fluide qui arrive, il passe dans une vanne où il va perdre de la pression, ou il passe dans une pompe où il va augmenter sa pression, il va arriver dans un tank où il va y avoir un lien avec la température, etc. Donc de proche en proche, les humains connaissent la causalité. Ils ne sont pas capables de connaître la causalité de l'intégralité de l'installation, mais de proche en proche sur une ligne de process, ils peuvent le faire. Et en plus, ils ont un savoir-faire eux-mêmes.
Avec l'expérience, ça fait 20 ans qu'ils sont sur cette installation. Ils disent, ouais, on sait bien que quand on fait telle chose sur le process en amont, en général, la tour à distiller, elle a tendance à se déstabiliser, etc. Et on s'est dit, on peut arriver à capter cette connaissance des hommes et la mettre dans le système. Et on l'a mis sous cette forme-là. On ne voit pas très bien sur cet écran, mais c'est un joli arbre qu'on appelle un arbre de causalité qui représente en fait l'intégralité des causalités présentes sur le site. Ici, vous voyez par exemple l'arbre de causalité d'une unité froide dans un site pétrochimique. Chaque point représente une mesure, donc ce qu'on appelle un data point. Chaque trait représente un lien de causalité. Et ça permet ensuite au système d'établir des causalités d'un bout à l'autre de l'arbre. Les humains, eux, l'ont construit branche par branche. Et c'est le logiciel qui a cousu toutes ces branches ensemble pour créer l'arbre dans sa globalité. Donc comment ça va fonctionner après ? Donc on part classiquement du machine learning non supervisé, comme je vous l'avais dit. On construit le modèle à partir des données historiques. Et ce système, ce modèle issu du machine learning non supervisé, on va lui injecter les données en temps réel de l'installation. Et ce système va nous sortir les anomalies, toutes les anomalies statistiques, mais aussi les anomalies correspondant à des vrais problèmes physiques sur l'installation. Et on va se servir de l'arbre de causalité pour interpréter ces anomalies, et ensuite, grâce à des algorithmes qui vont agréger les anomalies dans l'arbre, on va être capable d'estimer quelles sont les anomalies qui sont purement de l'anomalie statistique et quelles sont les anomalies qui ont un sens physique sur l'installation. D'accord ? On va faire une notation à travers le temps et une notation à travers la causalité des grappes d'anomalies. Et à partir de ça, on va pouvoir obtenir uniquement des alertes correspondant à des réels problèmes physiques sur l'installation. Grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, sur un site où on regroupe 5000 points de données, donc ça correspond à une raffinerie de taille moyenne, par exemple, on va obtenir journalièrement entre 400 et 500 anomalies. Et l'arbre de causalité va en ressortir, en grosso modo, 4 ou 5 alertes réelles. D'accord ? Donc c'est un système qui se montre très efficace. Deux petits exemples pour illustrer un peu ce que j'ai dit. Là, on voit des courbes de température sur un four à oxygène dans l'industrie de la métallurgie. On voit ici quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que toutes les deux courbes de température s'écroulent. Un système de machine learning non supervisé aurait dit « Ah, il y a une anomalie ». En fait, ils ont éteint le four pour faire la maintenance. Donc un humain qui a le contexte, il sait qu'il a éteint le four pour faire la maintenance, il ne s'inquiète pas de ça. Un système de machine learning s'en serait inquiété. Un système de machine learning à qui vous avez donné du contexte comprend que ce n'est pas un problème. Et donc c'est le cas, il n'y a pas eu de problème. Alors qu'à l'inverse, ici on voit qu'il y a eu un problème sur une des températures, mais que le reste du système fonctionnait de manière stable. Là, le système de machine learning contextualisé savait qu'il y avait un problème sur le four. Un autre exemple, j'adore cet exemple parce que ça montre bien comment le machine learning et l'expert peuvent travailler ensemble sur un site. D'accord ? Pourquoi le machine learning est un plus, mais ne remplace pas l'expertise ? Ici, on a un compresseur d'air instrumentation. D'accord ? C'est le compresseur qui comprime l'air pour alimenter tous les systèmes pneumatiques sur un site. D'accord ? Dès qu'il tombe en rade, vous avez un très très gros problème. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que notre logiciel a émis une alerte sur une courbe, la courbe verte que vous voyez là. Et cette courbe verte, c'est la delta P d'un filtre à air en amont du compresseur. Si vous demandez à un expert des process des compresseurs, est-ce que cette valeur est importante ? Est-ce que c'est une valeur que vous surveillez pour faire du diagnostic ? Il va vous dire non. Ce n'est pas le paramètre le plus pertinent. Parce qu'en fait, l'expert, il est très bon, mais c'est un humain. Oui, je sais, ça vous surprend, mais c'est un humain. Il est obligé de faire des priorités. D'accord ? Il ne peut pas surveiller 8000 courbes en même temps. Donc, il en surveille 10, 15, 20. Et voilà. Alors que un logiciel de machine learning non supervisé avec contexte, il est capable d'avoir l'œil sur 8000 courbes en même temps. Et il est capable de dire à l'humain, tiens, il se passe quelque chose d'anormal. Mais il n'a pas, lui, l'expertise, surtout dans le cas de défaillance inédite, d'être capable de dire, tiens, il se passe ceci, il se passe cela. Donc, en résumé, il est capable de prendre une grosse botte de foin,
de sortir le brin de paille qui est intéressant, de le montrer à l'expert et de dire à l'expert, tiens, c'est là que tu dois regarder, c'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est pour ça que nous, on considère vraiment que ce qui est important dans notre solution, c'est cette combinaison du travail, de la puissance de traitement du machine learning et de l'expertise humaine. Alors, petit plus, on utilise du machine learning non supervisé, on utilise de l'analyse de graphes via, pour l'arbre de causalité, et c'est donc, ça nous permet de faire de la surveillance, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut injecter encore une autre technologie qu'on appelle l'apprentissage actif. L'apprentissage actif va permettre d'orienter un peu, en quelque sorte, pour faire court, le machine learning non supervisé. C'est-à-dire qu'un expert va utiliser le logiciel et va isoler des périodes de temps dans les données, et il va lui-même noter ces périodes de temps. Par exemple, il va dire, je vais prendre les 3 premiers mois de l'année, et je vais étudier un problème de blocage dans mon installation. D'accord ? Tiens, j'ai mon installation, le fluide se cristallise de temps en temps dedans, et je ne comprends pas pourquoi. Sur les 3 premiers mois de l'année, il va dire, ben, cette semaine-là, il n'y avait pas de problème. La semaine suivante, il y a eu un problème. Celle d'après, ça allait, etc. Et ça va lui permettre, grâce au logiciel qui va remonter l'arbre de causalité, ça va pouvoir lui permettre de faire ce qu'on appelle une recherche des causes fondamentales. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On a eu un exemple sur un site qui fait fabriquer des polymères. Ils ont des tanks réacteurs fours. D'accord ? Donc des réservoirs où ça brasse pour faire des réactions chimiques et en plus ça chauffe. Et le problème qu'ils avaient, c'est que leur polymère avait tendance à polymériser. Bon, malgré le nom, c'est quelque chose qui est un peu gênant parce que grosso modo, il devient solide à l'intérieur du four et il bloque le four. Et ça leur arrivait 2-3 fois par mois. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, à chaque fois, ça voulait dire arrêter la production, ouvrir le four, casser au burin ce qu'il y avait dedans. Donc on perdait du produit et on perdait du temps. Ils ont utilisé ce système d'apprentissage actif et en fait, ils ont découvert, le logiciel les a guidés vers les paramètres qui avaient une influence sur l'apparition de la polymérisation. Et ils ont découvert que c'était lié à la température d'un fluide qui était là uniquement pour servir d'utilité. C'est de l'eau, en fait. De l'eau qui vient aider à un moment dans le process, qui passe dans les enveloppes extérieures du système. Et en fait, c'était lié à un échangeur, beaucoup plus loin dans l'installation, qui avait des plaques qui étaient légèrement dessoudées. Donc la température de l'eau faisait des variations comme ça qui étaient non maîtrisées. Et c'est grâce à cette capacité de remonter l'arbre de causalité, d'accord ? Donc le système de machine learning a traité les données, l'arbre de causalité a remonté la chaîne des causalités, et on s'est rendu compte qu'un appareil qui avait un problème de soudure à 400 mètres de là était responsable du phénomène de polymérisation dans les tanks. Après avoir découvert ça, après avoir réparé l'échangeur, aux dernières nouvelles, depuis 6 mois, ils n'ont pas connu de blocage dans les fours, dans leur système. Voilà. Donc on est assez fiers de nous. C'est comme ça. Alors maintenant, pour vous illustrer un petit peu ce que ça peut donner en termes de solutions commerciales, je suis désolé, je vais faire un petit peu ma pub, je vais vous laisser en compagnie d'Alex pendant 3 minutes, qui va vous expliquer ce que c'est que la solution SamGuard. Si vous pouvez lancer la vidéo. Merci. Voici Alex. Elle est ingénieure process dans cette usine. Alex adore travailler ici. Tout semble s'y dérouler normalement. Mais ce qu'Alex ne voit pas, ce sont les problèmes imprévisibles qui se préparent au cœur des process et des installations. Dans quelques jours, elle les remarquera. Mais il sera trop tard. Les petits problèmes seront devenus compliqués et coûteux à résoudre, pouvant causer des pertes de production, ou pire, un arrêt total de l'usine. À présent qu'elle regarde l'usine, elle y voit son pire cauchemar. Et si Alex avait un moyen d'éviter que cela ne se produise? Si elle pouvait détecter ces problèmes avant qu'ils ne causent des dégâts ou stoppent la production? Eh bien, avec SamGuard, c'est possible. Regardons de plus près ce que cette solution unique, combinant les connaissances de vos équipes et le machine learning, peut apporter à votre usine. Alex le sait, dans les installations industrielles, les défaillances ne se produisent jamais exactement à l'identique et sont donc difficiles à prévoir. Ainsi, elle ne peut pas savoir d'où viendra le prochain problème. Heureusement, SamGuard surveille l'ensemble de l'usine, rendant possible la détection et la prévention des problèmes en cours de développement invisibles habituellement. Il prévient Alex de toute défaillance sur les équipements statiques ou tournants,
ainsi que des déviations de process. Quel que soit le problème, elle peut le gérer en amont avant qu'il ne devienne grave. Notre solution brevetée fait collaborer les capacités du machine learning et l'expertise de l'humain. Elle exploite vos données de production et y associe la structure et les process de votre installation en faisant ainsi un outil de surveillance et d'analyse unique en son genre. Grâce à cela, SAMGuard génère en moyenne 5 alertes pertinentes et ciblées par jour pour toute l'installation, éliminant les avalanches d'alarmes et la fatigue qui en résultent. Ces alertes précoces permettent à Alex d'agir préventivement plutôt que dans l'urgence. SAMGuard est basé sur des technologies de pointe, ce qui le rend très facile à installer et à utiliser sans qu'aucune formation spécifique ne soit nécessaire. Cet outil est opérationnel dans vos installations en seulement 2 semaines, analysant vos données et déclenchant les alertes qui vous permettent d'agir à temps. Ainsi, SAMGuard surveille toute l'installation et vous alerte en temps réel des problèmes en devenir requérant votre attention. Il vous donne l'information utile pour identifier les incidents mineurs et agir avant qu'ils ne deviennent des problèmes graves. Avec SAMGuard dans votre arsenal digital, vous faites un pas de géant vers l'excellence opérationnelle en vous assurant que votre installation tourne au maximum de ses capacités et permettez ainsi à votre Alex de dormir sur ses 2 oreilles. Voilà, bon, j'espère que vous êtes tous heureux pour Alex, qui a pu retrouver le sommeil grâce à SAMGuard. Je voudrais maintenant arriver sur le dernier point, parce que vous avez vu dans la petite vidéo des éléments qui sont quand même importants pour moi, et qu'on a parfois tendance, en étant la tête dans le guidon sur les technologies, d'oublier. C'est qu'on a intégré effectivement un aspect humain dans la technologie pour rendre le logiciel plus accessible. Mais le succès du machine learning dans l'industrie passe aussi par tout l'environnement du projet autour du machine learning. Et l'aspect humain ne doit pas être embarqué que dans la technologie, il doit être embarqué dans tout le projet qui permet le déploiement. Je m'explique. Nous, on aborde la problématique en 3 étapes. Mais avant même ces 3 étapes, il y a quelque chose de très important pour moi, c'est de gérer les attentes des industriels. D'accord ? Je vous l'ai dit au début, le machine learning n'est certainement pas une baguette magique et le fait de lancer un projet machine learning sur une installation ne va certainement pas régler tous les problèmes. Mais est-ce que c'est si important de régler tous les problèmes ? Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le biais de la perfection. C'est-à-dire, je démarre une solution uniquement si elle est parfaite. Le machine learning est capable de les aider. Ce qui est important, c'est qu'ils soient capables, sur l'aspect financier, déjà, de leur faire gagner plus d'argent que ce que le machine learning leur coûte. Et même, si on avait, on pourrait penser que si on avait un système parfait qui détecte tous les problèmes de l'installation, humainement, ça serait une catastrophe. D'accord ? Je m'explique. Je démarre un système de machine learning sur une installation. Il est parfait, il voit chaque petit problème de l'installation et ça dit au personnel qui travaille sur l'installation, vous avez 433 problèmes à régler. Vous détruisez la motivation de tout le monde. Nous, on conseille fortement de réduire la sensibilité du système au début, de faire que le système, quand on le lance, remonte que 1, 2 alertes, 3 alertes maximum par jour, de manière à ce que pour le personnel sur site, il ne soit pas submergé par les problèmes. D'accord ? Et en fait, avant, c'est des problèmes qui n'étaient pas traités ou qui étaient traités dans l'urgence. Donc s'ils sont capables de régler 2 problèmes par jour, puis 3, puis 4, puis 5, on arrivera à un palier forcément. Ils vont vers l'amélioration de toute manière. D'accord ? Donc, c'est bien. Et en résolvant ces problèmes, ils font gagner de l'argent à l'entreprise. Et s'ils font gagner suffisamment d'argent à l'entreprise pour que ça finance le projet de machine learning, on est bon. Pas besoin de rechercher la perfection. C'est ça qu'il est vraiment, je pense, important de faire comprendre aux industriels pour qu'ils se lancent là-dedans. Et l'autre problématique aussi, c'est que le machine learning utilise des données du passé pour essayer d'en tirer des conclusions sur le présent, mais le machine learning n'est pas créatif. Quand on a des industriels qui viennent pour de la maintenance prédictive et qui nous disent on veut du machine learning et on veut que le machine learning nous dise ce qu'il faut faire pour réparer la machine, pour qu'elle dure plus longtemps, etc. etc. Non,
un système de machine learning n'est pas innovant. Des humains sont innovants. Donc des humains peuvent travailler avec du machine learning pour avoir des infos extraites de masses de données, mais c'est les humains qui vont innover dans la recherche de solutions. D'accord ? Ça, c'est vraiment important, cet aspect, gérer les attentes. Sinon, forcément, à un moment ou l'autre du projet de déploiement, vous allez devoir affronter les déceptions, et c'est très dur de revenir d'une déception. Il y a eu une vague de technologies de machine learning il y a, je sais pas, 5-10 ans, des industriels qui ont commencé à en proposer alors que la technologie était peu mature, et je pense que ça a dégoûté pas mal de monde. Vraiment important, j'insiste, sur gérer les attentes en amont d'un tel projet. Ensuite, aborder l'aspect humain. Donc, comme je vous ai dit, nous, on aborde ça en trois étapes. Il y a la première partie, c'est préparatif informatique. Il va falloir extraire les données. C'est une phase assez simple, c'est de l'export de données à partir des serveurs d'historian qu'il y a sur les installations. C'est simple, mais quand on a conçu le logiciel, il faut bien prendre en compte les contraintes et les besoins des gens de l'informatique et de l'OT. D'accord ? Ils ont un besoin de sécurité, ils ont un besoin de ne pas avoir un long travail préparatoire à faire sur les données. Il faut le prendre en compte. Par exemple, notre solution, elle est disponible. Soit on peut la faire fonctionner dans le cloud, d'accord ? Du machine learning dans le cloud, c'est assez classique. Soit on peut embarquer le moteur de machine learning en local, sur des serveurs virtuels. Je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais 100% de nos clients actuels choisissent la solution locale. Personne n'a envie d'exporter ses données process dans le cloud aujourd'hui en France. Bon, ça évoluera peut-être, mais c'est la réalité. Et ça, il faut le prendre en compte, c'est humain. Il faut le prendre en compte, si vous voulez qu'un projet de machine learning fonctionne, il faut prendre en compte les contraintes et les besoins humains des équipes d'informatique. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'atelier de modélisation. On a conçu le logiciel de manière à ce que la complexité du machine learning soit présente en arrière-plan et que, grosso modo, les personnes qui vont faire l'atelier de préparation, donc ce sont grosso modo les ingénieurs process du site, accèdent à une interface qui parle leur langage et qui correspond à leur façon de travailler. D'accord ? Grosso modo, on ne leur dirait pas que c'est du machine learning, personne n'en saurait jamais rien. Et c'est pour nous important, il ne faut pas que la technologie prenne la place devant l'expérience utilisateur. D'accord ? Ce qui est important, c'est de résoudre le problème de l'utilisateur. Là, ce qui est important, c'est le métier de l'utilisateur. Ce n'est certainement pas la technologie de machine learning. Donc, l'atelier de préparation de notre système pour modéliser un site de 5000 points, c'est grosso modo 2 semaines de travail à 80% de son temps. Voilà. On a conscience qu'ils sont bien pris, il ne faut pas les charger. Ensuite, il y a la partie production, usage en production. Et là, on est sur la même problématique. Nos utilisateurs, c'est des ingénieurs process. C'est des gens qui ont l'habitude de courir toute la journée après les problèmes. Tous les PDG de sites comme ça vont vous dire « Mon gros problème, c'est la disponibilité de mes ingénieurs process. » Si on arrive avec un projet de machine learning et on dit « Voilà, on vous donne du machine learning, il va falloir que vous vous formiez. » Il va falloir que vous y passiez des heures par jour pour faire du paramétrage de données, pour faire des choix de modèles, pour faire du nettoyage de données, etc. C'est pas possible. Donc, il faut, quitte à ce que le système soit un peu moins performant, il faut que ça soit un système dont il puisse tirer de la valeur en 10, 15, 20 minutes par jour maximum. Et ce qui est important aussi, c'est que ce système de machine learning ne vienne pas leur rajouter du travail, des choses à faire en plus, mais viennent en fait résoudre une de leurs problématiques. Nous, dans le cas là, la grosse problématique, comme je vous ai dit, c'est d'avoir les ingénieurs process et des pompiers. Toute la journée, ils courent après les incendies à essayer de les éteindre. Si la solution ne leur prend peu de temps et leur permet de passer d'un paradigme où ils courent après les problèmes à un paradigme où ils anticipent les problèmes, où ils peuvent prendre du recul, humainement, ils vont adhérer. C'est forcé. C'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour moi, dans les conditions que je vous ai indiquées, le machine learning, à condition d'en faire un outil qui répond à une problématique quotidienne et que le machine learning ne soit pas une contrainte supplémentaire pour les utilisateurs, ça peut être un très bon ambassadeur d'un projet digital dans une entreprise qui hésite à se mettre au digital. Parce que, comme je vous l'ai dit, on répond à un besoin des utilisateurs finaux, donc on peut avoir une forte implication des équipes. D'accord ?
on répond, dans le cas de l'industrie des procédés, à une problématique concrète et centrale, c'est-à-dire être capable d'anticiper les imprévus sur un site pour permettre d'éviter les arrêts et de produire plus. Ça, ça parle beaucoup aux directeurs de site et aux CEO. Et on peut être sur ce qu'on appelle un quick win en bon français, c'est-à-dire sur une mise en œuvre très rapide. Moi, par exemple, je voulais indiquer, là, on est sur une mise en œuvre en 3 semaines. On peut apporter un vrai plus dans le quotidien des ingénieurs process en 3 semaines. Et il y a aussi un aspect qui est important. C'est, je saute un peu, le ROI. Le retour sur investissement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi. Et là, je vous ai mis un tableau, en fait, grosso modo, où un de nos clients, un site pétrochimique, a fait l'exercice pour chaque alerte qu'il a eue de SAMGARD d'évaluer, grosso modo, dans un scénario favorable, combien lui aurait coûté la panne, et dans un scénario défavorable, combien lui aurait coûté la panne. Et ce qu'on voit, c'est que par effet d'accumulation sur tous ces petits problèmes du quotidien qu'il évite, comme je vous ai dit, ce changement de paradigme, on court après les petits problèmes du quotidien à on est capable d'anticiper ce qui va se passer. On se rend compte qu'en 2 mois, ils auraient économisé entre 142 000 dollars et 4 millions de dollars. Bon, aucun de ces deux chiffres ne présente la réalité. La réalité, elle est quelque part entre les deux. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en s'attaquant à une problématique quotidienne du personnel sur le terrain, on est capable de dégager un point d'intérêt très important pour les décideurs. On règle une problématique quotidienne de terrain et on fait plaisir aux décideurs parce que on leur fait économiser des sommes importantes d'argent et on a un ROI très rapide. Sur nos projets, on a toujours, grosso modo, un ROI inférieur à l'année et très souvent inférieur à 6 mois. Voilà. Donc, notre expérience, c'est que, en fait, le machine learning, pour vraiment saisir l'intérêt que ça a, il faut tester. Et aujourd'hui, c'est facile de tester dans le sens où nous, fournisseurs de systèmes comme ça, on veut faire la preuve de l'utilité de nos solutions. Donc, on a toujours possibilité de proposer à des utilisateurs intéressés des conditions intéressantes qui l'exposent à un minimum de risques financiers, qui l'exposent à un minimum de risques techniques et surtout à un minimum de risques humains pour favoriser la réussite du projet. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mener dans l'industrie aujourd'hui pour commencer à amorcer ce changement. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez plus de questions à me poser, vous pouvez venir nous voir au stand E38, qui est tout au fond là-bas, près du hackathon et près du stand des innovations. Et je crois que si on me l'autorise, je peux peut-être prendre une question ou deux. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis tout ouïe. Il me semble que l'originalité de votre solution, c'est l'arbre de causalité, en fait. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Le ML, c'est quelque chose qui m'est familier, mais l'arbre de causalité, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sans trahir les secrets de fabrication de votre solution? Qu'est-ce que c'est? Comment vous le construisez? À partir de quelles données? Ainsi de suite, quoi. L'arbre de causalité, effectivement, c'est un peu le résultat de notre réflexion en venant des procédés, en fait. C'est ça qui fait notre spécificité. Nous, en fait, venant de l'industrie des procédés, notre entreprise, on a plutôt d'abord réfléchi à cet arbre de causalité et après, on est venu mettre du machine learning dessus. Cet arbre de causalité, en fait, il est construit par les ingénieurs process qui vont, ils vont déclarer la structure physique de l'installation. C'est-à-dire dire j'ai une pompe, j'ai une vanne, etc. Et après, ils vont déclarer la structure process de leur installation. C'est-à-dire, ils vont décrire mon installation, je sépare mes gaz, je les sèche, etc., etc. Et l'arbre de causalité va se construire au moment où ils vont donner les relations proche en proche entre le monde physique et le monde des process. Par exemple, ils vont sélectionner une mesure dans le monde physique, et ils vont la glisser sur le process sur lequel elle a de l'influence. Et à ce moment-là où ils font le glisser-déposer, ça va leur dire, est-ce que cette mesure influence le process? Est-ce que ce process influence cette mesure? Ou est-ce que les deux centres influencent? Et ensuite, il y a l'algorithme breveté de Sanson qui construit l'arbre de causalité à partir de cette série de déclarations proche en proche. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais savoir juste comment vous vous interfacez sur les systèmes des industriels, c'est-à-dire vous avez parlé d'une base historienne. Si le client il a pas une base historienne, vous faites comment ? Alors si le client n'a pas d'historienne, on ne fait pas. Une des contraintes du machine learning, c'est qu'il faut des données historisées. Il faut des données structurées en fait, globalement. Et dans l'industrie des procédés, ils font cette structuration par l'historisation. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas d'historien, on ne sait pas faire. S'il y a un historien, c'est assez simple. Les logiciels d'historien ont des systèmes prévus pour faire des extractions de données. Donc on extrait les données sous forme de table et nous, on les récupère. Ou alors on peut mettre en place une API aussi. Mais en général, les extractions sous forme de table sont préférées par les clients. Voilà. C'est tout bon, vous avez tout compris ? Bon, eh ben, bonne continuation à vous alors.